Le carnaval des Deux Rives est une histoire de famille depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est une fête incontournable dans la région Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Charlie, je fais partie de l'association à fête de Charida. Sur le char de la forêt, nous allons rencontrer Rem, 83 ans. Histoire du carnaval, c'est-à-dire que j'ai eu la passion depuis l'âge de 34 ans, parce que quand ça a été fondé, j'étais très 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 timide. Je ne voulais pas suivre le carnaval. Donc j'étais toujours un spectateur. Ma fille a eu 10 ans et ce jour-là, elle a dit « moi je veux faire le carnaval ». Donc en définitive, elle a pris un papier, un crayon, elle a écrit au président et elle a été faire son carnaval. Ensuite, je suis partie avec mon fils qui était tout petit. Mon mari a suivi. Tout le monde après, au bout de quelques années, s'est arrêté. Et moi, j'ai continué jusqu'à ces jours. Ce carnaval des deux rives de la Garonne réunit toute la vie associative de la cité bordelaise. Chaque année, les ateliers de préparation des chars recyclent, transforment pour créer de nouveaux chars. Léa, une étudiante, nous confie que cela fait du bien, après les confinements, de voir les costumes colorés, les sourires et de vibrer au son de la musique. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé costumées tout au long du parcours, entourées d'un public conquis.